Françaises, Français, je tiens à m'excuser auprès de vous qui me soutenez dans la défaite d'avoir gagné hier soir. Je tâcherai à l'avenir de reperdre. Hashtag souris. Elle est trop con. Elle a le rose. Ah, mais il y a la tête de Pierre là-haut. Ah, il y avait Eric. Hein. C'est ma super copine Eric. Hein. Parce qu'elle aime les Pokémon plantes. C'est les meilleurs. C'est pendant des années, je rêvais d'un Pokémon de type spectre, ténèbres et plantes. Et un jour, ils m'en ont enfin donné un. Pitrouille. C'est quelle génération ça? 5, peut-être. Ah, je sais pas. C'est génération tristesse. Oh merde, ils sont déjà là! C'est Jessie Jam. Putain, j'ai chaud à force de pousser comme ton corps. Bienvenue, non? Non, je préfère. Mais oui, j'ai chaud à force de pousser comme ton corps. J'ai un peu ouvert la fenêtre, après ça, il fait un peu chaud. Avec tout ce qui tourne. Ouais, vas-y, vas-y. Oh, le miaouss au-dessus de l'entrée. Bah, c'était Mais non, c'est vrai? Oui. Je l'ai pas vu! Mais où? Juste sur la porte. Je suis un tocard ou? Yeah. Ah putain, il était là-haut! Mais je peux pas l'atteindre là-haut! Ah, non, ah bon? D'accord. C'est le miaouss de la team Rocket. Ah merde, je sais plus. Alors, sincèrement, tu prends ce que t'as envie. Ah, on peut avoir les deux. Par la suite, tu pourras avoir l'autre. D'accord, c'est bon, je comprends. Quand tu seras dans la grotte, regarde la queue des volis. Si elle s'agite, c'est qu'il y a un objet caché pas loin de toi. Putain, ça c'est intéressant comme info. C'est là où je suis deck, parce que dans ma première entrée dans la grotte, moi c'est Onyx qui est apparu. Sauf que du coup, j'ai fait un bond parce qu'il prenait tout l'écran. Ouais. Mais toi, tu l'aimes bien Onyx? Bah, sérieux, Onyx me gêne pourtant, pas. Pourtant, c'est un serpent de. C'est un Onyx. C'est un Onyx, il a des cailloux, il est pas tout lisse. Il est anguleux. Il est anguleux. Mais qu'est-ce que pas de plusieurs fait là? S'ils sont courants que tous les Pokémon plantes vont le démonter. Ah merde, Papillusion, c'est un tornade. Voilà. Ouais, voilà, sa tornade. Putain! M'en fous, je le tuerai avant. Il va pas faire que tornade. Ah, mais il a choc psy. Oh là là, oh non. Oh! Oh, tu l'auras avant, je pense. Non, je l'aurai peut-être pas avant. Je risque de le tuer. C'est enfoiré. Bon, normalement, je suis censé l'avoir. Le jeu est assez permissif, de toute façon. Oui, enfin. N'oublie pas que je n'ai pas de chance. Regarde. Va falloir que j'aille encore re-soigner mes Pokémon, ouais, pas. En fait, faudra en attraper pour gagner des niveaux. C'est le problème. Tu augmentes plus vite ton XP en capturant des Pokémon qu'en sur les combats. Là, je suis en train de troller en mode je veux aller vite, je veux aller vite. Mais bon, le jeu est facile. Ah, des Super Balls. Allez, on va aller choper un Oceraptai. Comme dans mes débuts de Pokémon Go. Où il n'y avait que ça. Mais genre, que. Ça, à Lanta. N'allez pas à Lanta. Enfin si, en ce moment, il y a des surfrousses. Allez à Lanta. Qu'est-ce que quoi? On s'en fout. Putain. Mais Tara, ça bougeait, là. Ça, c'était mon genou. Ça, c'était ton genou. Quelle idée de te mettre là. Ah ben, c'est pas trop tôt. Buvons du thé à la menthe pour fêter ça. Pour fêter ça? Putain, je buvais, ça rafle. Ah! Meurs! Ben voilà. Montez à la menthe pour faire. Arrêtez de vous moquer! Ouais! Plus que 5 niveaux, plus que 5 niveaux! Ouais, bravo!
Jamais. Arrêtez ou sinon on chasse le... T'as un parasol dessus. Pitié. Tu sais les mecs, t'sais. En vrai, go faire que du ratata 5 minutes pour pex un peu. Non. Non, non. Non. De toute manière, ton XP, tu l'as fait au fur et à mesure de l'aventure, c'est pas très gênant. Mais putain, mais... Arrêtez. Oh là là. Non mais il est pénible lui. Est-ce que les Pokémon peuvent s'enfuir? Mais je suis dégoûté. Pile à ce moment là quoi. Bon, est-ce qu'ils peuvent s'enfuir? Non. Je suis très déçu. Oui mais pour lancer son équipe c'est pas mieux. Oui et non, en vrai. Hein, mais... Sur les débuts, ça va, après, tu arrives à chercher un peu. En vrai, si j'ai vraiment envie de commencer à faire des trucs très, 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 très avancés, je bourre mon équipe de bonbons et je suis parti. Non, mais c'est vrai. Hein. Faut dire ce qu'il en est. Hein. Je chope tous les ratatas du monde, je les transforme en bonbons. Et voilà. Surtout qu'un ratatac avec Croix de Mort. Ah, Croix de Mort, c'est chouette. Ouais. Ah, le retour du petit tank. Ouais. Il est tout petit. Tu es tout petit. Mon meilleur. Pardon. Mais il me saoule. T'as une question sur le chat. Ah, il y a une question. Dak, le principe de bonbon, c'est quoi? Alors, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas tout regardé. Il y a différents types de bonbons. Bon, mais déjà. Explique-le. Bah, va dans les menus vite fait. Ouais, on va voir. Tu vas comprendre. Comme ça, au moins, je regarderai. Et on pourra expliquer au monsieur X tout ça. Oui, allez, dépêche-toi. Alors, hop. Ah, il y a un truc qui est apparu, je crois, de l'autre côté. Sac. La bonbonnière. Alors, apparemment, ça donne de... On peut... Alors, on va commencer par le commencement, ça sera mieux. Comme dans Pokémon Go, en fait, on peut capturer plusieurs fois le même Pokémon. Par exemple, tout à l'heure, au début, j'ai voulu capturer beaucoup de chenipans pour avoir un chenipan shiny. J'ai été très vite arrêté quand j'ai vu qu'il y avait un but bizarre qui avait pop sur la map. Bref. J'ai transformé tous mes... comment ça s'appelle ? Chenipans en bonbons, que voici. Le bonbon santé S, le bonbon santé M, le L, et les bonbons force. Et je pense que si j'appuie par exemple sur un bonbon, ça va augmenter la stat PV. Voilà, exactement. De mon Pokémon. Donc les bonbons, c'est un peu pété. C'est un peu comme les IV, mais qu'on peut... donner comme ça. Tant que c'est très fort. Sachant qu'en plus, t'as les bonbons classiques qui te permettent de prendre un niveau, etc. Ah, il y a les super bonbons. Il y a les super bonbons. Hein. Et t'as, donc, les bonbons... Et t'as les bonbons spécifiques à un Pokémon, par exemple, les bonbons Evoli qui ne servent qu'à Evoli. Ah ouais? Ouais. D'accord. Pourquoi tu ressors? Ah, pour parce aller que, te soigner. C'est bizarre, le pauvre, il est en PLS. Et que c'est mon favori. Regarde, je peux lui faire... Coucou! Ah, il est pas très heureux. C'est pas d'accord. Très... C'est pas très Peggy 18. Lui bizarre vient se frotter contre ta jambe. C'est pas très Peggy 18. Il est déjà 17h25, oh là là. On fait la pause à 19h et on reprendra après manger. Ouais, on peut faire ça. Et y'a pas de seuil genre max. Je pense que si, sans déconner, parce que sinon ça serait complètement pété. Y'a un genre max? Non, pour les bonbons, tu sais, les IV. Je pense qu'il y a quand même une limite comme dans tous les jeux Pokémon. C'est ce genre de choses, tu pouvais le farmer dans les très très... Alors, ça a été mis en place... ça a été mis en place... Oula, il fallait me faire agresser par un Ancerapie. Ça a été mis en place sur Or et Argent, où en fait, ils ont dit que via la reproduction, tu pouvais avoir 5% des stats en plus de tes parents. Quand on faisait des œufs.
Et petit à petit, l'IV, ils ont compris que ben, y avait des gens qui étaient à fond sur la stratégie et qui le farmaient, certes. Et il y en a qui comprenaient pas trop ce que ça venait foutre là. Et donc, ils sont en train de simplifier le système de plus en plus, ce qui est un peu dommage. Tiens, alors que Poupoune joue à Super Smash Bros. Et en fait, ils sont en train de simplifier ce petit système, et il y a une limite des IV et des EV. C'est très différent les deux. Les EV, c'est les Evolution Points, si je dis pas de bêtises. Et c'est des choses qui, donc, ça prend avec les niveaux, mais c'est assez aléatoire. Et les IV, c'est des choses qu'on peut à peu près gérer en battant un certain type de Pokémon dans les derniers jeux, si je dis pas de bêtises. Bon, bref. Tout ça fait qu'on peut farmer comme un petit con, tout ça. Je connais mes bases sur les EV pour le stratégique. Bon, ben voilà. Donc tu comprends que maintenant, les bonbons, c'est complètement pété par rapport au début de ce que c'était. J'ai des messages. Merci, Robin. Hein ? Non. Il a retweet. Parce qu'il a Twitter, c'est quelqu'un de très connecté. Et que moi, j'ai pas Twitter parce que je vous déteste tous, tout simplement. En même temps, Twitter, c'est plus allé que Facebook. Ah, moi, j'ai du mal avec Twitter, sans déconner. D'accord, elle se barre. Oui, elle se barre. Elle a dit, oh, il est rapide, lol. Ah, j'ai coincé but bizarre, le pauvre. Oh, je pète. Ah, si, un câlin. But bizarre a failli culbuter. Oh non, le pauvre. Ah, c'est un archéologue, ça, un truc du genre, non? C'est un intello. Ah, un intello, voilà, merci. Je cherchais le nom. Mais non, je t'ai pas cherché, j'ai juste marché, connard. Ils sont tous pénibles, là, se sentir agressés. Oh là là, cette tête. Il doit être sans famille. Wow. Ah bah oui, tas de mort. Sauf que tas de mort, ça a beaucoup de défense. Donc je sais pas si je vais arriver à le tuer. Donc première chose, on va essayer de se soigner un petit. Fouic, fouic, fouic. Non, pas de random pour le tout, mais du coup, ça ne max plus de faire des Pokémon rapides pour max vitesse. Il suffit de trouver le Pokémon qui te donne des bonbons vitesse. Je pense que c'est ça, en effet. Pof. Il m'écrase la face. Bon, va falloir changer de Pokémon, je pense. Ouais, on va faire ça, tant pis. Eevee ! Mais oui, je veux changer Eevee. Tu imagines faire un câlin à tas de morve ? Ben, en vrai, s'ils sont pas mauvais et que c'est juste le nom qui paraît dégueulasse, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Et puis... Ce qui veut dire que si un jour je peux faire un câlin à ta mort, je pourrais faire un jour un câlin à un bizarre, et ça va pas tout. Que l'on soit d'accord. Non, n'oublions pas, le combat n'est pas efficace. Gaz toxique. Bon, ok. C'est un truc tout coulant, y'a qui quand même. Bah écoute, je suis enrhumé. Question pour Jake, votre carte d'acquisition est en 720p? Non, c'est en 1080 que tu l'as mis là. Ok. Et merci Majiro pour le host. Merci beaucoup. C'est malheureusement pas écrit sur notre stream parce que Streamlab, je sais pas comment. Non, j'ai pas réglé Streamlab sur OBS là, autant pour moi, je suis désolé, j'ai manqué non, de temps. Non, même, je crois qu'on pouvait pas le faire depuis mon PC parce que j'ai deux cartes vidéo et que. Oui, ça doit être ça, mais là j'ai fait un petit peu. J'ai manqué un peu de temps pour faire plein de choses. Mais sinon, ouais, en fait, là, il y a la carte d'acquisition, c'est une Elgato HD60, c'est pas la pro, hein. Elle se prend depuis le dock de la Switch, elle prend le 1080-60, et du coup, sur notre logiciel, on est en 1080-60, mais par contre, je ressors en 720 pour la diffusion. Est-ce qu'il y a moyen d'aller au-dessus? Je pourrais passer en 1080 pour... ou en au moins 1600-1900 vu que c'est la résolution de l'écran de Yakipon. Néanmoins, il y a des gens qui ont du mal à charger ne serait-ce que la 900p. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix là de descendre à 720. Au final, c'est que du Pokémon, donc ça suffit. Ce serait autre chose, on y réfléchira autrement.
Et merci pour le host, ouais. Pendant ce temps, une évolution. Oui, désolé, c'est le moment chiant, hein, les deux ont évolué. Tardarmian et... Et Pipi Illusion. Sur smartphone, c'est la mort, je viens de passer sur le PC. Ah, désolé. Après ça... C'est parce qu'il était dans le bus. Ouais, je sais, ça, je pense pas que ça dépend de nous, ça. Tu dois me redresser, on entend moins, c'est ça? Ah bah là, oui. Bon. Eh bien, je me redresse. Batterie? Non, mais je me redresse. Toi, la notification que t'as eue. Ouais. Batterie. Ah non. J'ai pas eu batterie. Ah salut. Si. Non, là, c'est bon. Je l'ai attrapé, Rakaya, ça? Je sais plus. Oui. Non, c'était peut-être quelqu'un qui a joué, je sais pas. Vas-y, parle, dis n'importe quoi. Blablabla. Non, je me redresse. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, je vais niquer le dos et puis voilà. Comment essayer de faire culpabiliser les gens? Sinon, tu mets plein de coussins, tu les entasses. Bon, non, je vais éviter. Bah, il y a le choix. Oui, c'est vrai qu'il y a le choix. Il y a beaucoup de coussins, de beaucoup de couleurs. C'est un arc-en-ciel de... Bah, c'est le cas de le dire. De coussins. Enfin, bref. La. Salut! Et où est Mélofé, putain, quand on a besoin d'elle? De lui, on s'en fout. Salut, madame! J'ai pas pris l'échelle, je crois. Excusez-moi, maintenant j'ai le hoquet, putain, j'en peux plus, quoi. Le mec pénible. Non! Je te veux dans mon équipe. Je veux Mélofé. Il est trop fort, Mélo. Alors que la moto... Ah, c'était miracle, d'ailleurs, putain. Juste à la fin du Mont Sélénie. J'étais tellement vénère, je le voulais tellement. Et je râlais, sans blague. J'ai eu Mélo fait shiny en random un peu plus loin. Bataludée. Mais elle est verte, je crois, elle est pas belle. Enfin, c'est un des shiny qui est pas très, très joli, on va dire. Putain, mais elle spamme le rugissement, espèce de connasse. Pour le hockey, il faut un passage de glaçon sur le nombril. Sur le nombril. Ouais, apparemment, pour le hockey, il faut mettre un glaçon sur le nombril. Mais moi, mon nombril, il est beaucoup trop loin par rapport à la noix. Juste les oreilles vertes. Ah ouais? Je pensais qu'il était tout vert. J'ai de mauvais souvenirs, alors. Non, mais c'est pas une vanne, enfin, une vanne. C'est pas que je ne te crois pas, c'est juste que ça paraît assez incongru. C'est le mot, n'est-ce pas? Ou alors j'utilise mal la langue française encore. Pourquoi je fais pas des fois Liam depuis tout à l'heure? Je suis vraiment tocard, moi. Voilà. Je suis vraiment trop nul. Ah là là. Test, j'ai jamais le hockey pour tester sur moi. Ben, j'ai pas souvent le hockey, tu vas me dire. Alors que Pikachu apprend aussi double pied. Putain, mais c'est quoi ce nouveau Pokémon? Alors que tu fais une petite image. Ouais, ça pour ce soir qu'on va faire la pause, pour bien dire, on reprend. D'accord. Waouh, magnifique image. Elle est belle, hein? Bah, t'as vu, comment ça va? C'est un bol, là. C'est comment on fait déjà? Ah, j'ai perdu. Bon, faut que je revienne sur mes pas, j'ai pas pris l'échelle. Voilà. Oh là là, t'as mon Nosferapti. Et puis le bruit qu'ils font, quoi. Nini. Oh, des roquets. Alors, attends. Ouh, j'ai fait une... J'ai failli faire une petite connerie, là. Et nous allons utiliser le seul antidote que nous avons pour Evoli en cas. Ça c'est bien d'ailleurs, il était. J'avais pas calculé qu'il était empoisonné mais qu'il perdait pas de poignée. Ah, pas mal ça, j'aime. Bon, c'est un peu long mais j'aime bien. Live,
Aïe. Aïe. Ah Louis, qu'est-ce qu'il veut ? Salut, ça va, j'ai installé TeamSpeak. Ah mais demain moi je fais du 13h. Ah putain, j'allais dire imaginons de dire ton frère, mais en fait je pensais qu'il était chez lui. Voilà. Pierre Lune dans le cratère le plus au fond. Ah ça, ça peut être impeccable. Non, ça va, merci. Pas de jet de sable. Gasp. Dans le cratère le plus au fond. Bon, on va le capturer, ça va faire de l'XP. Il respawn tous les jours. Donc tous les jours, tu peux avoir une putain de pierre lune. Ouais. C'est pété. Mais ça sert à rien. Ah. Mais putain de Nosferapti de merde. Eh ben c'est pas trop tôt. Beaucoup d'expérience, merci Nosferapti. Espèce de connard. Ah, tu as des Pokémon de monture comme dans les dernières versions. Eh ben j'en ai aucune idée parce que je connais pas le jeu et j'ai pas forcément envie de me faire spoiler, mais en fait si. Ça arrivera après. Ça arrivera après. Putain de Rakaias. La 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 la. Oh là là, c'est excellent. Excellent, monsieur. Excellent. Mais putain. On peut pas faire de lance à effet dans celui-là. Genre, je peux pas faire un... Je pourrais, mais je pense qu'elle va partir très loin. Ah, mais j'avais pas attrapé Rakaias. D'accord. Mais si, je l'avais fait. Putain, je suis vraiment trop tard. Je veux le Paras. Je veux le gros Paras. Mais putain de... Hein. Remarque à Jay, le son de vos voix est en avance de 0,3 secondes par rapport à la vidéo. On entend bien qu'il râlait avant de rentrer en combat. Ah ouais. C'est peut-être le délai qu'il y a entre la carte d'acquisition et Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est vrai que ça m'étonnerait pas non plus. Mais pourtant... Alors, toucher les paramètres en live, je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Ouais. On peut mettre du délai dans l'audio ? C'est vrai ? Ouais, mais l'idée c'est d'enlever les délais. Ah ! Mais non, c'est... Il a dit qu'on m'entend. On m'entend plus vite. Push to talk, délai. Mais c'est le push to talk, pas... Le son va plus vite que l'image. Ouais, j'ai fait. Ah, regarde. Décalage du synchro... de synchro du micro, peut-être. Mais c'est seulement nos voix qui se décalaient pas. Mais espèce de connard. C'est en millisecondes là aussi, je tu penses? Je pense que c'est en millisecondes aussi, ouais. Parce que c'est pas écrit, mais... Bon, on va tenter ça, on verra en bien. En 3 millisecondes, c'est précis quand même. Et je sais pas. Vous nous dites dans les commentaires. Ouais, vous nous dites. Attention. Ouais, dans le chat, dans les commentaires. J'ai... Via Pigeon Voyageur, on sait j'ai jamais. J'ai une idée de comment synchroniser ma voix avec le son. Hein ? Avec la vidéo, pardon. Attendez, j'y arrive. Je vais le faire. Je gère. C'est l'habitude du musicien. Tu fais un top et tu auras le temps de réponse. Ouais, mais sachant qu'il y aura aussi le délai de votre connexion, parce que par défaut, on doit avoir 10 ou 30 secondes de... Non, mais par exemple, s'il a du délai, on va dire, du live, ça c'est normal. Ah. Entre ma voix et le jeu, je sais comment le gérer. Et merde. Mais putain de Taras maudite de... Oui. On va faire ça très vite.
faudrait que j'arrive près de, d'un truc où il n'y a pas grand chose en fait. Parce que là on est cerné là. On est cerné par les incompétents. Du nom de. Ah enculé. Top échelle. Voilà. Maintenant tu fais ton test. Est-ce que j'ai chanté vraiment sur les notes ou pas? C'est toi qui le dis. Bah c'est le truc le plus pratique à faire en fait. Hein. C'est que tu te cales sur, sur ce que t'entends et voilà. C'est Robin le gamin. Oh le féro singe. Non. Non Robin, pas Romain. T'écoutes jamais. C'est pas moi. Ah mais je vois plus avec tes conneries là. J'ai pas écouté, recommence. Non mais non, c'est pas possible. Attends, j'arrive pour régler ça. Recommence. Ben tu l'as pas dit aussi. Oh. Bon, on va sortir, on va reset la musique. Comment on sort d'ici? Ah bah là. Non, c'est pas par là. De toute façon, il faudrait bien que je me soigne un jour. Donc. On n'est pas très très loin non plus de l'entrée. Ah oui, d'accord. Le temps de le tourner, je pensais que c'était plus avancé que ça. Non, j'ai fait vraiment de la merde. Merci de le souligner. De rien. Allez, on soigne ça. Attends, on va essayer de se caler sur le bruit de du soignage. Na 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 na. Non, je retrouverai pas. Ni 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 rondoudou putain je le. Ok, là par contre, je suis conquis. Ni, 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 ni. Qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, on est content. Oh merde! Mais genre, est-ce qu'on est vraiment tous en statue endormie? Non, non. Ça, non. Ça serait vraiment très drôle en vrai. Dommage. Et du coup, Nino s'est décalé comment? Est-ce que la voix est en avance? Est-ce qu'elle est en retard? Un peu plus fort, nanana. Nanana, nanana, nanana. Nanana, nanana, nanana. Na 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 na. Et si je mets mon nez sur le micro, est-ce que ça fonctionne? Ah merde. Ah, il y a un objet là. Et si on faisait de la ASMR? Alors bienvenue. Aujourd'hui, vous allez entendre des bruits de bouche dégueulasses. Voilà, c'est insupportable, hein, qu'on soit d'accord. Qu'est-ce que c'est, hein? Bon, j'ai décalé un petit peu, je sais pas si ça suffira, donc n'hésitez pas à le dire. Ah, il y a de l'eau. C'est du décor, très bien. La 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 la. La 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 la
Ah ! Pardon. Je vais pas faire ça. Mais putain, mais... Oh, bonjour ! Et c'est une taille mini. Ou un poids mini. C'est une taille mini. Comment je fais pour taper dans sa tête ? Comme ça. Oh putain, je vois plus. Encore du décalage. Merde. Go mettre une bombe, viens pas chercher. Est-ce qu'il y a quand même une différence? Est-ce qu'il y a quand même une différence par rapport à tout à l'heure? C'est surtout ça la question en fait. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah d'accord. Au moins c'est dit. Non mais qu'on se rattrape pour les prochains lives. Let's go. Parce que oui, le jeu s'appelle exactement comme ça, d'accord? C'est pas merci. Nino, c'est quoi que tu dis que ça sature? J'ai pas compris, parce que là, sur l'écran off de mon zoom, en fait, je vois pas que ça sature. Donc, ce serait intéressant que tu me dises. Parce que ça, c'est déjà plus inquiétant que le décalage. De quoi? Le saturage? Ouais. Ou ça? Bah, je sais pas, ouais, là, normalement. Elle a pas dit que ça saturait? Si, il y a écrit ça sature surtout. Mais non, il n'y a pas écrit ça sature. Ah, mais c'était parce que j'avais le nez sur le micro, peut-être. Ah, oui, mais dans ce cas, oui. Alors là, oui, forcément. D'accord, ça marche. Ah, putain, Taras. Oui. Oui, que devine un mot. Diantre, tu vas te calmer, Marie-Louise. Je augmente un peu le délai encore. Ouais, moi aussi. Ah, attends, j'ai 2-3 messages pour vous. Demain matin, il y aura la nouvelle mise à jour de QCMM. C'est quoi cette histoire des passages secrets? Mais non, c'est une balague, j'ai bu une fontaine d'eau. Et je voulais absolument qu'il y ait quelque chose. Ah! Il n'y aura absolument rien. Je suis en train de me dire depuis quand il y a des passages secrets dans Pokémon. Le micro capte le son du jeu. Ah bon? C'est parce que je suis loin, non? Ou est-ce qu'il faut baisser le... Non, non, le micro ne capte pas le son du jeu. Bah peut-être... Oui. Oh, ça peut être, je le veux dans mon équipe. Ouais, un petit peu, ouais. Et paf, la pastèque. Ah, c'est bien fait, le jet de sable avec sa blade, j'ai bien aimé. La ref à Zelda, Jake, si jamais. Ah bah oui, il avait pas compris ça. C'est pas grave, il en a pas fait. Il a jamais joué à Zelda. Oui, ou le casque. Si c'est le casque qui enregistre la voix de Yaki. Non, on a un setup, on n'est pas un casque. Nous avons un setup micro pied devant mon nez et tout ça. Ouais, en gros, Nino, regarde la photo sur Facebook. C'est la meilleure phrase du monde. Et voilà. Comment décéder en live. Et ça n'attire même pas les gens. C'est dommage. Tu devrais le mettre dans le titre. Oh là là, il est en train de mourir, lol. Il a un gilet jaune aussi. Ça tourne mal. Non, j'ai pas de gilet jaune.
qu'il stream, ça tourne mal. C'est Linkling Fille qui a un gilet jaune, c'est pas moi. Oh putain, mais quelle honte. C'est pas moi. Personne n'a entendu. La 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 la. Je ne veux pas apprendre poudre toxique. Ah bon? Non. Je veux apprendre poudre dodo. Ah. oui, je vais oublier. Oui. J'ai oublié l'attaque. Oui. Et là, il va me proposer poudre. Ah non, le parasport, c'est plus tard. C'est donc. Marco le montagnard, vous envoie un racaillas. Non, je ne veux pas changer. Bonsoir, monsieur Algamazier. Bonsoir. Il y a le tricheur qui vient de revenir. On voit ceux qui ont Twitch Prime, hein. Ah, il a le Twitch Prime, il a la petite couronne. Et paf, la pastèque. Aïe. Et pour commencer, avant, non, hein, tu n'as pas triché, c'est juste un running gag que je trouve assez rigolo. Après, ça ne restera qu'à mon avis. Putain, j'ai des cheveux du boulot dans ma chaîne. Bien joué, Ralga, bien joué. Ah, j'aime beaucoup. J'ai un souci. À l'aide. Merci de m'aider, c'est très gentil de ta part. T'as tout enlevé? Parce qu'il y en a pas mal là, je crois. Merci, c'est gentil. Aïe aïe aïe. Actuellement, je galère à écrire sur le clavier. Oh! Mon petit chou. Attends, comment va notre chat, ou carpette, ou sac à main? Ah, d'accord, ta main elle est collante, j'avais pas compris. Carpette. Il parle peut-être pas du chat, hein. On veut pas savoir ce que Nino fait à côté. Hein. J'ai pas tout compris là, mais. Oh non, mais. Mais non, c'est le chat qui est collant. Mais... C'est encore plus dégueulasse. Mais non, mais Romain. Attends, quoi? Tu devrais revenir me voir si ton stock commence à s'épuiser. Genre, le mec te file des Pokéball dans mon CD. Si t'as vraiment, t'en as que dalle, il t'en file un petit peu, ouais, mais bon, c'est pas... C'est vraiment un tocard. Ben, normalement, tu devrais pas manquer de... Il s'est barré. Je suis... À cause de la cinématique. J'ai envie de... Oh, mais non, mais le vénard, reviens. Je t'aime. Reviens. Enculé. Mais putain, on aurait pu avoir le vénard. Eh, connard de nous faire un petit moisi. Ah non, mais là, il s'est barré, du coup, la cinématique a été... Ah mais genre, vraiment, vraiment. Ah oui, oui, oui. Mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Et il est où, Rondoudou et Mélofé, là? Ah, je suis vert, quoi. Le vénard. Ah, il reviendra pas, c'est vraiment un pourcentage très très faible. Hein. Mais je veux qu'il revienne. Si je crie son nom, il va revenir, comme Capri, non? Bah, si tu cries son nom, ce sera sur des murs. Ah, non, c'est écrire sur le mur le nom de ce qu'on aime. Non, c'est pas ça que tu as voulu. Si, c'était la vlame, ok. 0.8. Ah, oh ben. Pardon. Excusez-moi. Comment on fait pour changer de Pokéball? Dans le sac. D'accord, je veux le nourrir. Il sera heureux d'être avec moi. Là, faudra m'expliquer par contre. Ah non, mais c'est Joy-Con sur 20. Hein. Mais ta mère, va là-bas. Oh. Eh ben, il sera plus honoré. Prends la super, t'emmerde pas. Oui, je vais pas m'emmerder, mais je veux la lancer à droite, mais elle veut pas. Oui, ça a saturé parce que j'ai gueulé comme... Mais putain, mais... Attends. C'est de la merde.
Mais il veut pas! Pas, fais essayer comme ça. C'est vraiment de la merde. Oui, ça, ça, oui, là, c'est normal. Dans le micro. Pardon. Hein. c'est Mélofé, moi, c'est une très grande histoire d'amour. Genre, vraiment. Macron, lui, il arrive pas à aller à gauche. C'est vrai. C'est vrai. On verra ce qu'il dit ce soir, de toute façon, il est censé parler. Ouais, ouais, il est censé. J'ai pas checké l'actu d'ailleurs cet après-midi. Ah, Mélofé numéro 2. C'est parti, le Mélofé Shiny. Ah, t'as raté un grand moment, Ralga, de. Putain, mais. Et là que. Attends. Et là que je veux aller à. Là-bas. T'as raté un grand moment où je voulais absolument un chenipan shiny, et à ce moment-là, Bulbizarre apparut. Et donc dilemme. Et donc dilemme. Ça semble complexe la capture au joystick. Ouais, ça l'est, malheureusement. Waouh, Abo, il a appris acide. Et si je mettais Abo en tant que. Pokémon suivi. N'a pas. Vous savez qu'il y a d'autres Mélofés. J'ai trouvé un rappel. L'EM. Bravo. Alors pour t'expliquer le système des lancers, tu pointes la TV avec le Joy-Con, tu appuies sur A, tu lèves la manette et tu lances. Ouais, ça fonctionne à moitié. Oh mais mon dieu, mais il est super rapide. Reviens ici. Alors attention, je vais faire exactement ce que tu me dis, Thomas. C'est parti. Un tocard. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'en ai marre de ce jeu. Tu as donné une baie? Non. Je devrais. Voici une baie frambie pour. Vas-y, mange. Voilà, tu m'aimes maintenant. Mais il a bougé. Ouais, mais c'est pas ma faute s'il bouge, bordel. Mais ta mère, je vais tout droit là. Oh putain, qu'est-ce que ça me gave. Mais ça me saoule. Quelle idée de jouer comme ça. Ah non, vraiment. Non, sort pas la Pokéball. Bon, comme tu veux. Non, sort pas la Pokéball. Zéro patience. Ah ben ça. Ah non, mais il y a des fois, Ralga, les Joy-Con, t'as beau faire exactement ce qu'il faut, ça part en couille d'un coup comme ça. Ouais, je suis très déçu. Allez, on y va là. Ah mais tu les fermes? Je sais pas, pour l'instant j'en vois, je les capture. Ça fait de l'XP. Regarde, attention, je vais à gauche. À droite, pardon. Ah putain, ça fonctionnait, quoi. Incroyable. Mais ta mère, la chauve, quoi. Zéro patience. J'aime beaucoup comment Rix a écrit patience. Blablabla. Eh ben bon débauchage, Nino. Ouais. Ça, c'est bien les franchement, fonctionnaires. Dès que c'est 18h, mais... on va dépointer. Non mais Nino, quelle débauche, quoi. Grave. Ça fait juste 2h qu'elle est sur Twitch. Ouais, grave. On streamait jusqu'à quelle heure? Alors, je commence à en avoir marre. Sachant, sachant qu'on n'a pas réussi à ramasser de l'argent pour manger ce soir. Voilà. Et en réel, je pense que je ferai une pause à 19 peut-être. Ouais, oui, voilà, on fait une pause pour manger ce soir, une pause de 2h et vers 21h on reprend jusqu'à. Oh mon dieu, je suis jusqu'à voilà. Attention, jute à survin. Genre, ah, bout de dodo. Genre, ou éternuer, voilà. J'ai éternué sur le Pokémon. Mais non, ne t'inquiète pas. Aïe aïe aïe. Bam. Oui, j'ai. On en a. Alors, je ne suis pas sûr que les termes soient appropriés là, Rix, mais oui. Bah, je viens de dire que je vais jouer dessus, donc. Oui, oui.
C'est complètement dans le thème. On va dire ça comme ça. Il était très choqué. Oui, il est très très déçu que je fasse ça. C'est un très bon acteur, vraiment. Oui. La Palme d'Or. Ouais. Salut! Mais qu'est-ce qu'il fout, toi, là? Mais Miaou, si c'est parler, bordel, il fait pas bien. Coucou! Coucou! Merde. Bon, ok, ils sont vénères. Il est là! Tant que j'en vois, je les capturerai. Il a sauté, c'est un... Alors, je vous annonce, c'est en juin, Pokémon... Enfin, Yaki sera encore en train de jouer à Pokémon. Putain, mais... J'en peux plus... Mais c'est l'enfer! Je vais à gauche, il va à droite. Je vais à droite, il va à gauche. Ça devient pénible. Qui a inversé l'axe des X? Aïe, aïe, aïe. Il est où mon Mélopé Shiny? Je le veux. On a un don de Imagiro de 1€ pour un filet aux fiches. Ah non, je veux pas de filet aux fiches, moi. On a dit pas de McDo. Merci pour l'euro quand même, ça fait toujours plaisir. Oh oui, petit euro, là. Ah! Mais non, il y a le fossile, là. Il n'y a pas une roquette. Moi, je comprends plus. Je comprends pas le jeu. Déjà, j'ai raté le Vénard, j'ai les boules. Là, sans déconner, j'ai vraiment les boules. Hein. Moi, je voulais le Vénard et tout. C'est décollage du air. Ouais, non, mais non. Je suis quand même déçu. Non, pas cruel, putain. Ensuite, il y a un scientifique. Bah ouais, mais je pensais pas qu'il y avait le rocket en fait. Y'a qui s'arrête à tous les cratères, regarde la queue des volis, je t'ai dit, putain de ta mère. Non mais ça va la fête. Oui, mais j'ai pas que ça fout de ramasser des potions moisies là. Tu t'arrêtes quand même à tous les cratères. Ouais, mais y'a pas des mélopées partout. Bon allez, je vais le faire pour te faire plaisir. Non. Tu le mérites pas, soyons d'accord. Non, pas ça. Par contre, je préfère vous le dire, le temps de la pause, je ferai mes bonbons, je gérerai mon inventaire et je donnerai 2-3 bonbons. Ah, tu vois, le cratère, il est moisi, là, ton cratère. Mais en même temps, Evoli, il a pas bougé. Et si on fuit, est-ce que le combo est gardé ou pas? Oui. D'accord. Impeccable. Où vas-tu? Ben, chercher le cratère. Hein. Oh... Là, il y a notre cratère. Oui, mais Evoli n'a pas bougé la queue, donc c'est qu'il n'y avait rien. Oui, ben, il la bouge jamais, regarde. Oui, c'est qu'il n'y a rien. Eh bien, je l'ai fait pour ce qu'il y avait à faire. Là non plus. Donc arrête de me dire putain de ta mère, parce que déjà, un, je pense que la connaissance, elle dirait qu'elle t'emmerde. Et deux... En fait, c'est juste une excuse pour revenir en arrière pour choper des mélopées. Voilà. Mais putain, mais y'a que Jay qui comprend, mais y'a rien. Mais c'est un truc rare. Merci pour ton don de 4€, Ralga, pour un croque McDo sans pain. Excusez-moi, y'a Jiggly. Alors, je passe le micro à Akuro qui a déjà eu ce genre d'anecdote. Non, c'est vrai? Non. T'as jamais eu de croque McDo sans pain? J'ai dit que ça serait compliqué à faire et le plus chiant pour un restaurant. D'accord. Putain, si on... oh, j'ai tellement envie de le refaire. Je suis tellement une horreur. Voilà, j'ai normalement fait un don pour votre repas de ce soir. Ouais! On va pouvoir boire du coca. C'est super. Je suis pas gentil. Putain, mais...
Ah là là. Normalement, enfin, avec 5 euros, on a déjà un taco petit. Ah! Mais moi, je suis gros, j'ai besoin d'un large. Il y a un taco pour 4. On va pas mourir. Allez, là! Mais c'est une blague, évidemment. Ne donnez pas de l'argent, on le mérite pas. Vous le savez très bien. Putain, mais. Par contre, vous pouvez donner de l'argent pour acheter un Joy-Con. Parce que mon Joy-Con rose commence à tirer la gueule. Apparemment. Aïe, 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 je suis insupportable. Non, pour de vrai... Bah, évidemment, je vous remercie pour tout ce que vous donnez. Hein. Que ça soit 1 euro, que ça soit 5 euros, que ça soit plus... Je suis toujours très reconnaissant envers les viewers qui nous suivent depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Ah oui, largement. Quoi. Voilà, hein, c'était le moment cheesy. Maintenant, je redeviens un gros connard. Désolé, vu le prix des Joy-Con, j'ai pas envie de faire une PL. Mais moi, je veux le... Je veux les Joy-Con... Eevee et Picadob. Ah, face marron derrière et jaune devant. Ouais, jaune devant et marron derrière. C'est les meilleurs. Y'a pas un Levenard qui veut pas pop, là, genre, devant moi, dans 3, 2, 1... Bon, le jeu m'entend pas, tant pis. Salut. Et là, il était derrière le type de fossile. T'imagines ? Et c'est lui. J'aurais tellement eu les boules. Ah, Scryon est en ligne. Mais à quoi est-ce qu'il va jouer ? Il va jouer à Super Smash. Ah, il joue à YouTube. Il joue à YouTube. J'aime beaucoup jouer à YouTube. Le setup est réel, je viens de check Facebook. Eh ben, ah oui, oui, bien sûr. Attends. Et encore là, ne décède pas. Pense à boire du coup. Ah, horrible. Donc là, c'est une espèce de bouclier. Ah l'enfoiré, il a esquivé. Donc en termes de setup, là en fait, on a la carte d'acquisition qui va de la Switch à la télé et au PC. On a un Zoom H6 sur lequel j'ai branché 3 micros XLR. C'est des micros pro deep, c'est pas des micros super chers, donc ça s'entend. Et je ressors du Zoom en mini jack pour entrer en mini jack sur le PC. En plus d'avoir des casques pour avoir des retours, notamment directement sur le Zoom, et moi sur mon PC de mon côté en retour stream. J'ai envie de faire le connard. J'ai joué à YouTube toute l'après-midi. C'est cool YouTube, tu peux regarder des vidéos. Je me couscous. C'est pas ma faute, hein. On appelle ça le travail, c'est dommage. Je regarde. Je continue pas. Je continue pas la phrase. J'assume pas. Par contre, je peux assumer que c'est Poupou, Lucu, Popo de Carcora et c'est Chico. Alors c'est maman, et Chico, et petit Chico. Arrête de sucer le vol. Putain, mais. Oh mon dieu! Imagine joue à Let's Go Evoli, tu vois? Maintenant, tu vas dire qu'au lieu de jouer à Splatoon, on voit bien que tu joues à Let's Go Evoli. Voilà. Donc, s'il te plaît, arrête de dire que tu joues à... Voilà. D'accord. Argumentation sur moi. Mais vous voulez pas prendre ma poule dodo? Regardez, je vous la lance, genre, tel un saut, genre. Le saut, please. Je suis le... Comment il s'appelle? Ce cliché du geek. Ah ben ça. Il tient son carnet de notes tel... Tel voilà. Ouais, argumentation sur 20 là. Putain, mais cette tête qui tire quand même bizarre parfois. Il est vraiment un tocard. C'est peut-être qu'il me plaît sur ce personnage. Mais ta mère! Oh non. Et là, c'est la mort. Est-ce qu'il est de type métal, Magneti, là, ou quoi? Non, maintenant il est passé en métal, je crois. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais... Non, il y a aussi des yaoi et des petites filles qui font nia. Voilà. Ouais, j'ai utilisé charge, on aime ça. Enculé, Milad... Oh, si, si, je pense qu'il est passé en... Il est passé en métal parce que une charge que ça lui fasse absolument rien, c'est pas normal.
Donc je pense qu'il est vraiment en métal. Et le métal, ça a peur du feu, mais ça résiste à la flamme, si je dis pas de bêtises. Bon, allez. J'ai pas d'attaque sol. Et puis en plus, je crois qu'il a lévitation, peut-être. Le type s'est assis et pas... Merde, désolé. C'est vrai. Non, c'est métal. Non, c'est métal. Ah, par contre, le type combat, il risque de pas aimer. Vu que c'est un électrique aussi. Non, l'électrique, on s'en fout, c'est le sol. Bon, on va voir, de toute façon. Ah, le double pierre. Et paf, la pastèque. Ah bah oui, bah. D'accord. Oui, bon, pardon, je disais métal, je sais pas pourquoi. Je pensais à Métang, en fait. Pikachu va prendre reflet. Non. Arrête ça. C'est Michel Lantello, quoi, putain. Allez, je vais prendre... Ah ben là, au moins, on peut vraiment voir ce que ça donne, quoi. On va prendre Kabubu. Il est où, le Vénard? Oh. Je sais plus quoi faire. Joy-Con sur 1. Joy-Con sur 1. Je vais marrer parti. Là, ça fonctionne. Ah. Mais putain! Arrête! Alors, le gars qui dit que le PNJ Intello, on dirait Ishida dans Bleach. Ah, c'est vrai qu'il lui ressemble vachement. 08, y'a qui perd pas espoir? Ah oui. Pour le chose là. Ah putain, enfin! Ceci est un moment d'anthologie. Donc on va déclarer ce jour comme étant jour férié. Oh, si seulement! Ceci est mon Pokémon préféré. Non, je vais pas appuyer sur B, je suis con, mais pas. Ça permet d'aller plus vite. C'est du mensonge. Ah, j'en suis qu'à 7, Mélofée. Ça permet d'aller plus vite. Non. D'annuler l'évolution, mais... Ouais, mais bon. Ah, non, c'est Herbie, ça. C'est pas... Il est là. Non, mais non. Si, il est là, c'est pas moi. Putain. Il m'appelle. Il faut avancer. Non, il faut pas avancer. C'est moi qui... T'as qu'un badge. Mais putain, mais... Pardon. Ouh. C'est excellent, monsieur. Go, Florizarre, level 32. Non, 36, non. Florizarre, c'est 32. Ah ouais. Dracaufeu, Tortank, c'est 36. Ah ouais. Ouais. De merde. J'ai pas joué au même jeu que vous, je crois. Je te parle de Let's Go, en tout cas, après le reste. Ah. Oui. Mais grâce à Mélofon, on fera plein de bonbons. Et on fait monter Abo, qui pourra devenir Arbok. Ah, je suis content. Et là, je le mettrai près de nous. Ah ouais, ouais. Ah, je suis très déçu de ce que tu viens de dire. Y'a pas le Vénard là, juste avant la sortie? Hep là. Ah merde, va falloir aller battre. Oh non. Oh non. Bon, enfin, on vous connaît. La Team Rocket. Plus rapide que la lumière. Ah, ils ont rien dit de tout ça, quoi. Ça a toujours été 32. Ah, ben merde. Ah, c'est un double combat? Bon bah c'est bon, j'ai mes deux Pokémon pétés en premier. Je pense que ça devrait se faire. Et paf, la pastèque. Ah bah waouh. Nullité. C'est toujours pas efficace contre le poison. Et voilà. J'ai toujours détesté les Smogo et Smogogo dans Let's Go Pikachu. Pourquoi? Ah, ils me démontaient ma gueule. Bah, surtout quand ils font une destruction. Ouais.
c'est le problème. Ah non, c'est sur direct toxique et compagnie. Pikachu, il l'a détesté. Ah ouais. Ah ouais. Il fallait monter ta défense spéciale. Bah quoi? Non, non, mais normalement, il avait des stats excellents partout, mais. Non, mais il a pas aimé. Après, ça empêchait pas qu'il faisait le taf. Mais c'était un handicap, hein. Ouais. Ouais, mais il a enroulé, ça va. Il est où? Où est Alf? Où est Alf? Je vous déteste. Mais non, tu nous aimes. Voilà. Pendant ce temps, Smogo. Très bonne sieste. Smogo, les pires. Ah ouais. Mais non. Vous savez pas ce qu'il vient. Ah, je peux sélectionner un beau, c'est pareil. Donc. Et paf, la pastèque. Parce qu'en plus, c'est des sacs à PV, Smogo et Smogo. Oh non! Ah! Non! Bon, allez, refais le même tour. La. Et paf, la pastèque. Mais putain, mais. Voilà. C'est le spammage du bouton A. Hein. Vous pouvez l'entendre ici. On apprécie. C'est du ASMR du Joy-Con. ASMR du jeu vidéo, j'appuie sur des boutons. Ah oui, on veut apprendre morsure, c'est de type ténèbres. On veut plein d'attaques différentes. Pouvoir rouler sur tout le monde. En étant de type normal et donc de craindre à peu près absolument rien. On s'en balait quand même, vraiment. Ouais, on s'en balait. Ah, j'ai entendu, c'était des défaites. Il a jeté sa rose en mode non. Où est le vénard? Secours. Bouge. Il est où le vénard? Regarde en bas à gauche. Ah, il me casse les couilles aussi. Ah, la tête. Ah, il a une sale gueule. Tu es moche. À tes souhaits. Tu es moche. Attention. Mais il est où le second? Deux. Toujours un second. Attends. J'esquive. Je dodge. Dodge. Bon, mais tant pis, pas de Melofé Shiny, désolé. Ni de Levenard d'ailleurs. Eevee is not impressed. Là, y'a rien, tu vois, dans ce cratère.